Début 2018, j'ai publié un premier livre aux éditions Les Liens qui Libèrent, intitulé « La guerre des métaux rares ». Et dans ce livre, je parlais notamment de la présence des métaux rares dans les téléphones portables, donc dans les technologies numériques, mais de manière assez succincte. Et mon éditeur, Henri Trubert, me dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne développerais pas davantage ce point ? Et pourquoi est-ce que de ces trois pages dans lesquelles tu parles de ce que tu appelles la matérialité de l'invisible, pourquoi est-ce que tu n'en ferais pas 300 pages ?» Et je me suis dit au départ qu'il n'y avait pas un sujet, il n'y avait pas 300 pages à écrire sur ce sujet de la pollution, de l'impact matériel, des technologies immatérielles. Mais pourtant, je me suis intéressé au sujet et finalement, j'ai découvert qu'il y avait en réalité une vraie enquête à faire. D'où ce nouveau livre, L'Enfer numérique, sous-titré Voyage au bout d'un like. Et en réalité, c'est pas une suite, mais disons que c'est cohérent. Il y a une cohérence entre le premier et le deuxième livre, puisque je développe dans ce nouvel ouvrage une thématique que j'avais déjà rapidement soulevée, qui est celle donc de la matérialité de ce monde censément immatériel, toujours plus virtuel, avec toujours plus de nuages et de clouds, dans lequel nous entrons, surtout en ces temps de crise sanitaire où le numérique est toujours plus présent dans nos vies. Donc c'est une enquête sur tout ce qui constitue en réalité l'infrastructure qui nous permet de vivre nos vies virtuelles, des data centers en passant par les câbles sous-marins, mais également l'internet spatial et puis bien évidemment les mines, les téléphones portables. On retrouve quand même cette question des métaux. Quand on dit que le virtuel est physique, est réel, est matériel, c'est un peu difficile de se figurer cela. Et c'est un peu difficile de comprendre qu'en fait, derrière nos actions les plus bénignes, comme celle d'envoyer un like, un email, une photo de vacances, de regarder une vidéo, en fait, il y a une infrastructure qu'on appelle Internet, et c'est la plus vaste infrastructure que l'homme n'ait jamais déployée pour vivre nos vies numérisées, puisque c'est une infrastructure qui s'étend à travers la planète entière et qui est composée de câbles, de centres de sous-marins, de satellites, comme je l'ai dit. Et je me suis dit, mais comment raconter cette infrastructure d'une manière qui soit la plus concrète possible pour le lecteur et qui lui parle également de ses actions quotidiennes. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas raconter le voyage d'un like ? Le like, c'est à peu près, enfin après tout, le symbole, une espèce d'emblème de nos vies numérisées. Nous likons tous les jours des dizaines de fois, peut-être quelquefois des centaines, et ça raconte finalement ces vies virtuelles. Et si je like le profil Facebook de mon voisin de bureau, est-ce que ce like va littéralement voyager de mon bureau au bureau du voisin en traversant la cloison ? Et en fait, ce qui est extrêmement contre-intuitif et frappant dans cet exemple, c'est qu'en fait, ce like ne va pas voyager 3 mètres, il va voyager des centaines, des milliers de kilomètres, puisqu'en fait, il va partir de mon téléphone, mais ensuite, cette notification numérique, elle va rejoindre une box Wi-Fi ou une antenne 4G, elle va descendre le long des parties communes de mon immeuble, se retrouver sous les trottoirs à 80 cm de profondeur dans des câbles en cuivre, rejoindre les locaux techniques d'un opérateur, rejoindre encore d'autres câbles qui filent généralement le long des voies de communication françaises, puisque nous sommes en France, un fleuve, une autoroute, parce que c'est le long de ces voies de communication que en fait transitent les données numériques. Et puis, comme je vais liker sur Facebook, Instagram, Twitter, qui sont des réseaux sociaux américains, et bien en fait, le like, il y a de bonnes chances qu'il traverse l'océan Atlantique par des câbles sous-marins. Il va se retrouver dans des centres de données, plusieurs, il va être redondé dans plusieurs centres de stockage et de traitement de données sur le continent américain. Et puis, il va repartir dans le sens inverse, par un câble sous-marin à nouveau, à travers l'océan Atlantique, et revenir jusqu'au téléphone portable de mon voisin qui se trouve à 3 mètres de moi. Et donc, cette image, je trouve, nous dit bien finalement la complexité d'une infrastructure derrière l'apparente simplicité et fluidité de nos échanges numériques. Et elle dit bien tout ce qui est matière pour vivre nos vies, justement, encore une fois, censément dématérialisées. Mais c'est un bon exemple, je trouve, frappant, qui souvent étonne les gens parce que il est contre-intuitif de s'imaginer tout ce chemin, alors que finalement, je peux quelquefois envoyer un email à mon voisin de bureau. Ça fait 5000 ans qu'on essaye de dématérialiser. Et l'écriture n'est pas forcément vue sous cet angle-là, mais avec l'apparition de l'écriture,
en Mésopotamie, en fait, intervient la première tentative de dématérialisation de l'histoire. Puisque en écrivant sur une tablette en argile, par exemple un ordre, la personne physique n'a plus besoin d'être présente physiquement pour passer cet ordre avec sa voix. Elle peut être représentée par un écrit. Donc finalement, avec l'écriture, il y a cette action de dématérialisation de la présence physique humaine qui peut être remplacée par un objet, une tablette en argile. Et donc c'est de la dématérialisation. Et puis apparaît la monnaie. Et la monnaie, c'est après tout aussi une action de dématérialisation, puisque ce n'est plus le troc qui permet de faire... De générer des échanges commerciaux. On n'avait plus besoin d'amener au marché votre bœuf et la personne avec laquelle vous allez commercer n'a plus besoin d'apporter ses sacs de riz ou de blé, mais ces matières premières, ces marchandises végétales, animales vont être remplacées par des pièces, par de la monnaie, par du métal. Et donc, c'est une dématérialisation, la monnaie. C'est une œuvre de dématérialisation de la présence physique de l'objet qui va faire l'objet du commerce. La lettre de change est une dématérialisation de la monnaie elle-même. Grâce à la lettre de change, je vais pouvoir, par un seul bout de papier, transporter virtuellement, finalement, des sommes d'argent absolument colossales, et ça m'évitera d'ailleurs, le long de la route de la soie, de me faire dévaliser. Et puis, la numérisation du monde est encore une fois une dématérialisation. Et on passe notre temps aujourd'hui à parler de dématérialisation des fiches de paye, de réalité virtuelle, de stockage des données dans le cloud, avec cette idée que grâce à ce remplacement du support papier par le support digital, alors on va économiser des tas de ressources, notamment forestières, absolument colossales. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que derrière toute tentative de dématérialisation, il y a en fait une nouvelle matérialisation. Et en fait, derrière chaque matière qu'on dématérialise, on rematérialise autrement. La présence humaine est remplacée par l'argile. La bête ou le sac de blé est remplacé par du métal. Le métal est remplacé par du papier. Le papier est remplacé par un support digital, numérique, qui lui-même est fait de métaux, de plastique, et ainsi de suite. Et donc, on ne dématérialise rien. On rematérialise autrement, on matérialise autrement et on multimatérialise, puisqu'il y a dans tous les objets physiques, tels que les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes, les écrans, ces objets qui nous permettent de nous connecter à Internet, il y a toutes sortes de matières premières. Un téléphone aujourd'hui contient 60 matières premières. Et la puce du téléphone portable contient elle-même une cinquantaine de matières premières. Donc c'est une multimatérialisation. Et donc, là où je veux vraiment insister, et c'est, je pense, l'idée phare la plus importante de ce livre, c'est qu'en fait, rien n'est immatériel, tout est matériel, et surtout, plus c'est virtuel, plus c'est matériel. Plus nous parlons de dématérialiser nos économies, plus paradoxalement, l'impact matériel de nos modes de vie est fort. Et jamais dans l'histoire, l'humanité s'est mise à consommer moins de ressources que la génération précédente. Et notre génération actuelle et les générations qui vont nous suivre va continuer à consommer toujours plus de ressources. Nous allons produire, consommer, extraire dans les 30 prochaines années davantage de métaux que tout ce que l'humanité n'a jamais extrait, produit, consommé comme métaux depuis que Sapiens est Sapiens, depuis 70 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc tout cela, ce n'est pas de la dématérialisation, et nous baignons complètement dans l'illusion qu'effectivement nous allons pouvoir limiter l'impact de l'homme sur les écosystèmes en passant sur le support numérique, alors qu'en réalité c'est tout l'inverse. Il faut toujours plus de ressources pour vivre nos vies numérisées, pour fabriquer les 34 milliards d'équipements numériques qui sont actuellement en circulation sur Terre et les 1,3 ou 4 milliards d'équipements de téléphones portables qui sont vendus chaque année sur Terre, pour produire et fabriquer les serveurs, les data centers dans lesquels, enfin, qui rassemblent les serveurs, les câbles sous-marins et les satellites. Tout cela, donc, c'est un impact matériel, je l'ai évoqué, et c'est également un impact en termes de consommation d'électricité. L'ensemble du secteur numérique, c'est à peu près 10% de la consommation d'électricité mondiale. C'est comme si toutes les centrales nucléaires actuellement en fonctionnement étaient mobilisées pour les seuls besoins de l'économie
numérique. Et puis, c'est également des émissions de CO2, parce qu'en réalité, ce n'est pas que le nucléaire qui permet de produire l'électricité du numérique, c'est aussi le gaz naturel, les centrales à pétrole, les centrales à charbon. Et donc, il y a environ 3,7% des émissions de CO2 qui sont émises par le secteur numérique. Donc, c'est très important. Alors, naturellement, il y a également des aspects positifs au numérique. Il ne faut pas oublier que grâce au numérique, eh bien, je vais moins me déplacer. Et donc, du coup, je vais consommer moins, je vais générer moins de CO2 en voiture si je reste chez moi à télétravailler plutôt qu'à aller au travail en voiture. Et pareil, si je ne vais pas à New York pour une conférence, mais que je tiens cette conférence à distance sur Zoom. Donc, ça, ce sont des externalités très positives qu'il faut mettre face aux externalités négatives. Et donc, la question à l'arrivée, c'est quel est le solde? D'un côté, le numérique rapporte, et de l'autre, le numérique coûte. Quel est le solde? Personne ne sait. Et donc, l'honnêteté nous conduit tous, devrait tous nous conduire à reconnaître qu'en fait, personne ne sait réellement si le numérique est davantage un bienfait qu'un méfait pour l'environnement. Simplement, son empreinte environnementale, matérielle, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, est toujours plus forte parce que c'est aujourd'hui le secteur de l'économie qui probablement croît le plus vite et donc avec lui ses impacts associés. Mais attention à cette fausse idée dangereuse de penser que parce que par la grâce du basculement dans le cloud ou dans la réalité virtuelle, finalement, je vais pouvoir faire coïncider accroissement des richesses et moindre impact de l'homme sur l'environnement, cette idée est fausse. Elle est extrêmement fausse et il faut en avoir conscience de façon à ne pas se réveiller en 10, 15, 20 ans avec des coûts écologiques du numérique qui risquent d'avoir doublé, triplé, peut-être triplé, en tout cas doublé à l'horizon 2025, selon certaines appréciations, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Ça deviendrait incontrôlable. Or, à l'heure de la transition écologique, à l'heure du respect des accords de Paris, il faut faire en sorte que le numérique soit cohérent et compatible avec la transition écologique et non pas incompatible. Il y a un discours dans l'air et qui rend la démonstration que je vous propose aussi difficile, c'est que la technologie va de façon permanente et de manière très rapide, nous disent de nombreux technophiles, permettre de corriger les effets néfastes, les conséquences écologiques néfastes, précisément générées par la technologie. Et donc, le tableau, l'instantané qui est proposé actuellement avec les chiffres qui sont relativement consensuels que je viens d'évoquer, pour autant, celui-ci pourrait être complètement changé, bouleversé, si demain, par exemple, les technologies de transmission quantique de l'information font qu'on n'a plus besoin de câbles. Et ce tableau pourrait être complètement revisité et bouleversé si demain on est capable de stocker l'information dans l'ADN avec une capacité finalement à réduire les 3 millions de centres de stockage de données qui existent actuellement sur Terre à une malle et l'information pourrait, toute cette information pourrait se trouver dans une seule malle et finalement l'impact physique du stockage et du traitement de l'information serait considérablement réduit. Si demain nous allions sur Internet, nous surfons sur Internet non pas grâce à nos téléphones portables, nos tablettes, mais grâce à des implants sous notre peau ou des lentilles connectées, alors tout l'impact matériel de ces 34 milliards d'équipements électroniques dont j'ai parlé au début, alors il est réglé. Et donc, Et ça va tellement vite, la capacité de la technologie à s'améliorer constamment est tellement rapide qu'effectivement, on promet finalement des gains absolument colossaux à relativement court terme. Le problème, c'est que le futur, c'est quand en réalité? C'est quand le futur? Ces technologies dont nous parlons à l'instant, est-ce que c'est à l'horizon des 3 prochaines années, des 5 prochaines années, des 10, des 15, des 20 prochaines années, qu'elles vont être matures et qu'elles vont permettre finalement de remplacer la génération de technologies précédentes? Et puis, comme ces nouvelles technologies vont être aussi toujours plus efficientes, performantes, alors elles vont aussi offrir l'opportunité eh bien, d'utiliser toujours plus le numérique, avec des effets rebonds, c'est-à-dire qu'elles vont générer plus de consommation. Donc, ce sera une course de vitesse incessante entre l'amélioration des technologies et l'explosion des modes de consommation numérique que ces technologies génèrent. Et donc, tout cela va naturellement générer aussi toujours plus d'impact, toujours plus corrigé par la technologie. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui
d'affirmer de façon absolument certaine que les technologies qui sont déjà en maturation dans les laboratoires et qui promettent monts et merveilles pour un futur intégralement connecté et intégralement virtuel, c'est très difficile de croire à la réalité de la survenance de ce futur. On nous avait promis le cloud, le nuage, on se retrouve avec 3 millions de data centers qui sont foncièrement arnachés au sol, avec des impacts matériels, fonciers, écologiques, une consommation d'électricité non négligeable. Et donc, comment croire et à quel horizon croire que ces nouvelles technologies vont solutionner le problème qu'elles ont précisément contribué à créer? Et c'est là que c'est très difficile. Donc, d'un côté, il faut regarder non pas la photo, il faut apprécier le film, la dynamique, c'est vrai, et en même temps, il faut faire attention à ne pas tomber dans un débat qui consisterait à dire « mais cessez de regarder le présent ». Puisque le futur lui a déjà donné tort. Et on entend ça, et c'est excessivement dangereux et pernicieux, de dire, mais on ne conteste pas le présent actuel, mais finalement, il faut regarder davantage le futur, puisque le futur va très vite venir corriger l'impact écologique que vous constatez aujourd'hui et que je ne remets pas en cause. Et ça, c'est dangereux parce que pour moi, c'est de la réalité alternative, mais non pas en opposant deux réalités à l'instant présent, à l'instant T, mais en opposant une réalité qui n'existe pas encore à la réalité d'aujourd'hui. Donc, je suis d'accord avec l'idée de regarder la dynamique, d'apprécier la dynamique, d'apprécier le film et non pas seulement de regarder la photo. Et pour autant, encore une fois, personne ne sait quand ce futur adviendra. Et moi, je pense que il faut vraiment prendre conscience que les impacts du numérique aujourd'hui sont sans cesse plus croissants. Il n'y a aucune espèce d'étude aujourd'hui qui dise que les impacts du numérique vont baisser, les impacts du numérique vont augmenter. Il peut y avoir des technologies de rupture qui vont potentiellement complètement réinventer la roue et redistribuer les cartes, mais on ne peut pas juste se reposer de façon apaisée sur ce futur totalement hypothétique à ce jour, en considérant et en ne changeant rien à nos modes de consommation, parce que fondamentalement, la question, c'est celle de nos modes de consommation qu'il faut, je pense, revoir, sur lesquels il faut réfléchir pour consommer moins et en tout cas pour corriger les effets écologiques du monde numérique. Donc, attention au solutionnisme technologique. La technologie est nécessaire. Il faut investir dans la recherche, dans les nouveaux matériaux, dans l'informatique quantique, dans le stockage de l'information dans l'ADN. Et pour autant, il ne faut pas se reposer sur ces lauriers-là. Il faut également se poser des questions qui sont beaucoup plus douloureuses, beaucoup plus collectives, beaucoup plus politiques sur l'Internet que nous voulons et sur la bonne consommation, le bon usage que nous voulons faire de cette technologie merveilleuse à bien des égards qu'on appelle le numérique. Nos likes, nos emails, nos photos de vacances, vous l'avez compris, transitent par des câbles sous-marins. 99% de l'information aujourd'hui transite par des câbles sous-marins. Parce qu'Internet, donc, Internet est profondément un réseau amphibie. Et l'Internet spatial, peut-être demain, gagnera davantage d'importance, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est davantage les océans par lesquels transite l'information. Il y a aujourd'hui environ 450 câbles sous-marins qui totalise 1,2 million de kilomètres, soit 30 fois la circonférence de la Terre. Et ces câbles empruntent les grandes voies de communication maritime, commerciale, classique, détroit de Malacca, océan Indien, mer Rouge, canal de Suez, océan Atlantique Nord, océan Pacifique, et ainsi de suite. Ces câbles, traditionnellement, ils ont été déployés par les Occidentaux, et ils sont aujourd'hui de plus en plus déployés par Google, par Facebook. Ces entreprises numériques ne veulent pas seulement être producteurs de contenu, elles veulent aussi maîtriser le contenant. Elles ne veulent pas dépendre d'un acteur tiers qui potentiellement pourrait limiter leur velléité à nous proposer toujours davantage de services numériques avec toute la bande passante que ça implique. Donc Google et Facebook déploient leurs propres câbles. C'est un peu comme si Renault rachetait les réseaux autoroutiers français. Renault aurait à la fois finalement le contenant, les autoroutes et la voiture sur laquelle circule la voiture qui circule sur l'autoroute. Et donc Google fait pareil. Simplement arrive dans l'histoire, dans cette affaire, les Chinois.
les Chinois, ils n'ont pas du tout envie de dépendre des infrastructures occidentales, qu'elles soient propriété publique ou privée. Ils veulent avoir leur propre infrastructure, ils veulent être souverains sur l'infrastructure. Et on ne peut absolument pas leur dénier ce droit parfaitement légitime de vouloir être souverains et peut-être même de déployer leur propre réseau Internet, qui serait un réseau 100% chinois, alternatif au réseau occidental et qui ne serait pas soumis au, dont le fonctionnement ne serait pas soumis au bon vouloir de telle ou de telle entité qui, dont les intérêts ne seraient pas cohérents avec les intérêts de Pékin. Et c'est là qu'arrive notamment un câble extrêmement intéressant qui s'appelle le câble PEACE, c'est-à-dire le câble PEACE pour Pakistan Eastern Africa Connecting Europe. C'est un câble qui part de Chine, qui traverse le Pakistan, arrive au port de Gwadar au sud du Pakistan, traverse l'océan, une partie de l'océan Indien, remonte par la mer Rouge, croise le canal de Suez, puis la Méditerranée, et vient d'arriver à Marseille fin octobre. Il n'a pas encore été mis en service, mais il vient d'être raccordé à Marseille. Et ce câble nous dit quoi ? Ben, il nous dit en fait que la Chine déploie ses propres infrastructures, parce que la Chine a des services numériques à nous proposer. Il y a les GAFA, on les connaît tous, mais il y a également les BATX chinois. Les BATX, c'est un peu l'équivalent des GAFA, mais chinois. B pour Baidu, A pour Alibaba, T pour Tencent, X pour Xiaomi. Et Alibaba, c'est une plateforme de e-commerce. Tencent, c'est une entreprise chinoise qui propose notamment des services de réseaux sociaux tels que WeChat, qui est très connu, et de plus en plus d'Occidentaux, non pas seulement Twitter, mais également WeChat. Et en fait, la Chine ne peut pas proposer ces services si elle n'a pas la bande passante. Et donc, en fait, il faut les câbles. Il faut les câbles chinois pour que eh bien, les Occidentaux et demain, et notamment les Européens et les Français, aient envie davantage e-commercer sur des plateformes de vente en ligne chinoises, liker sur WeChat et peut-être demain regarder des séries chinoises comme on regarde aujourd'hui des séries Netflix. Mais pour ça, il faut de l'infrastructure, il faut de la bande passante. Et donc, voici pourquoi ce câble arrive ici. Ça nous rappelle quand même quelque chose, ça nous rappelle le temps où l'Europe, la France, tirait les câbles fraternité, les câbles amitié vers l'Afrique. Et là, tout d'un coup, on voit le câble paix arriver depuis la Chine vers l'Europe. Et ça nous raconte finalement les immenses ambitions chinoises à nous proposer ses propres services, parce que celui qui est le plus dynamique dans la sphère virtuelle, eh bien, montre également sa puissance dans le monde physique, dans le monde réel. Ce câble, il emprunte un tracé très particulier. Ce tracé peut déjà être surnommé de route de la soie numérique. Il y a la route de la soie chinoise que l'on connaît, faite de ports, d'aéroports, de chemins de fer, d'autoroutes. Et puis, il y a la route de la soie numérique. C'est le tracé, notamment, de ce câble-là. Mais ce tracé, du coup, devient excessivement stratégique. Il faut le sécuriser. De la même manière qu'il faut sécuriser les routes de la route de la soie, les routes physiques, il faut sécuriser les routes physiques de la route de la soie numérique. Il faut sécuriser le port de Gwadar, qui est en train de devenir au Pakistan, au sud du Pakistan, de plus en plus stratégique. Et donc, que fera la Chine demain ? Comment va-t-elle sécuriser ses intérêts ? Ne déploiera-t-elle pas des armées, peut-être, comme s'en inquiètent certains think tanks américains, pour protéger le matériel et les hommes le long de ce câble ? Va-t-elle déployer ou de passer par des services de sécurité privée proposés par des sous-traitants chinois ou autres ? Mais donc, ce que cela nous dit bien, c'est que pour nous proposer de commercer davantage, numériquement parlant, avec la Chine, eh bien, Pékin intéresse que tous les pays qui soient traversés par cette route de la soie numérique soient stabilisés. Donc, il y a un besoin pour la Chine de stabilisation de son environnement géopolitique dans sa frontière immédiate versant occidental, et également, plus généralement, un besoin de stabilisation de tous les pays qui sont traversés par ces infrastructures. Donc, ça peut générer de nouveaux conflits, ces câbles, puisqu'ils sont toujours plus stratégiques et qu'ils obligent et qu'ils incitent la Chine à se projeter d'un point de vue sécuritaire au-delà de ses frontières, mais ça peut aussi générer de la paix, puisque la Chine a besoin de sécurité. Mais encore une fois, il y a une géopolitique des infrastructures numériques. Il y a une géopolitique d'un email, il y a une géopolitique d'un like, il y a une géopolitique d'une vidéo de chat. Et nous sommes, vous et moi, qui likons, surfons, tweetons, scrollons, swipons toute la journée sur la toile, des colocataires de cette infrastructure, plus ou moins conscients de la réalité de cette infrastructure dont nous avons besoin. Et donc, nous sommes des coacteurs de cette géopolitique des infrastructures numériques
qui se cristallise sous nos yeux.